Bonjour, mon nom est Romain Desrosiers. Bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. La présente vidéo traite du laisser-passer en défense. Ici, sud a gagé un cœur suivi de quatre cœurs en or. Ouest a une entame normale, ayant roi, dame, valet de pique. Il entame donc du roi de pique, suivi du 3 en or. Est a une première indication à donner à son partenaire. Y a-t-il lieu de continuer ou non? Si, par exemple, il avait eu un honneur ou deux cartes de pique pour couper, il l'indiquerait en jouant sa grosse, une grosse carte de pique suivie d'une petite. Dans ce cas-ci, il a trois cartes de pique, donc il n'a pas de possibilité de coupe. Il joue plutôt le 2 de pique à son partenaire. Sud joue l'as de pique. Sud a une paire d'entames à pique, une paire d'entames à cœur, une ou deux à carreau. Il doit donc enlever les atouts le plus rapidement possible, tout en cachant la valeur de sa main en trèfle. Il joue donc le roi de cœur. West a une première décision à prendre. Il sait que Sud a 5 cartes de cœur, Nord en a 4, et lui en a 3. 5 plus 4 plus 3, cela donne 12 cartes. Donc son partenaire a un maximum d'une carte en cœur. S'il veut savoir s'il aura lieu de retourner en carreau ou en trèfle, une fois qu'il aura encaissé son as de cœur et sa dame de pique, il serait mieux d'attendre l'indication de son partenaire. La meilleure façon, donc, c'est de jouer le 4 de cœur sur le roi, suivi du 2 et du 7. Sud continue avec le valet de cœur, suivi de l'as et du 6. Ici, Est a les cartes nécessaire pour lui indiquer de revenir carreau en mettant le 10 de carreau. Ayant le 10 et le 9, c'est encore plus clair pour West avec le 10 qu'avec le 9. Après l'as de cœur, West joue la dame de pique, suivie du 5, du 4 et du 7. Il y a déjà 8 cartes de pique de passé. Une à la première levée, 4 à la première levée et 4 à la deuxième levée. Qui a la dernière carte de pique, puisque il y en a deux en ouest plus deux en S, il y a un joueur qui n'en a qu'une. Est-ce sud ou est? La réponse pour ouest est facile. Est a joué le 2 suivi du 4 de pique. Donc c'est lui qui a la troisième carte de pique. S'il n'avait eu que deux cartes de pique, il aurait indiqué son intention de couper en jouant le 4 de pique suivi du 2. Donc, West n'encaisse pas son valet de pique et retourne simplement carreau, tel que demandé par son partenaire. Nord joue le valet, Est joue la dame, suivi de l'as de carreau, faisant chuter le contrat. Vous voyez donc que chaque carte jouée par chaque partenaire est importante. C'est à chacun à les regarder comme il faut et à bien les compter. À la prochaine.